ce petit déjeuner convivial offert par le compas pour faire un petit tour d'horizon des animateurs de ce week-end et faire quelques présentations. Ça sera plus convivial, on pourra ainsi échanger ensemble tout au long du week-end et nous retrouver. On saura donc qui est qui. Alors, j'ai un plan. Donc, tournée moteur. Déjà, présentation un petit peu de l'état des lieux. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est le samedi 22 juin. Ça fait quasiment 5 ans que le matériel agricole n'était pas ressorti du repas. Alors 5 ans, puisque on était le 29 et 30 juin 2019, c'était avant le Covid, hein, il y a très longtemps de ça, nous étions ici pour un événement qui s'appelait Passion Vapeur, et c'était le dernier chapitre en date d'une série d'événements qui avait démarré en 2017, puisqu'on a eu tous les deux ans un événement Passion. Nous avions eu Passion Semeca en 2017, Passion Pharmal en 2019, nous avions eu Passion Lens en 2011 avec le club Lens qui célébra ici son assemblée générale annuelle. Nous avions eu Passion Ford en 2013, en 2015 Passion Renault, la Renault Agriculture qui maintenant a été reprise par la firme Glace. Et puis en 2017, un thème un peu plus large avec le plan Marshall. Et donc 2019, Passion Vapeur. Et puis après, il y a eu une série d'événements ici qu'on n'a pas maîtrisé, c'est-à-dire qu'il était question de fermer ce lieu magnifique. Et puis finalement, contre toute attente, on n'a pas fermé, on a fermé juste durant la période du Covid. Et il est rouvert depuis avec un certain succès, a priori, puisque. Dylan, combien de visiteurs vous avez eu sur la première année d'exploitation? Tu peux nous le redire? Un peu plus de 30 000. Donc voilà, c'est quand même pas mal, hein, une réouverture. Donc on va commencer par le tour du propriétaire, par Dylan. Dylan, tu peux déjà nous dire qui tu es? Donc, bonjour Dylan, donc moi je suis chargé des collections du musée et entre autres l'organisateur de la journée avec toutes les équipes bien entendu. Alors, tu peux nous dire un autre tournée moteur, parce que finalement, c'est pas vraiment un événement seulement dédié aux tracteurs et aux machines agricoles, d'accord. Et c'est plutôt pas mal. C'est ça. En fait, on avait évolué un petit peu le format, et les précédentes éditions, c'était beaucoup, essentiellement sur les tracteurs et un gros rassemblement de tracteurs. Et là, on a voulu axer l'événement sur la restauration des collections, en fait, qui est une des missions du musée, une des missions du compas. On a une équipe qui est dédiée à la restauration, qu'on vous présentera ensuite. Et donc tous les modèles que vous verrez à l'extérieur sont des modèles qui ont été restaurés par l'atelier du compas et les partenaires qui sont là aussi tout le week-end que Jean-Pierre va vous présenter font de la restauration de leur côté. Donc voilà, la thématique est vraiment la restauration. Il y a moins de tracteurs à voir, mais il y a plein de belles choses à faire dessus. Alors Dylan, puisque tu parles restauration, on va parler association des amis du compas, hein, puisque elle est partie prenante dans la restauration. Je vois le président là-bas, il y avait Laurent Touché ici, mais il bouge beaucoup ce homme-là. J'ai peut-être donc interrogé le président des amis du compas, monsieur William Bellin, pour qu'il nous dise en quoi ça consiste cette association. L'association, comme vient de le dire Dylan, c'est d'avoir récupéré certains vieux tracteurs, des vieux modèles qui autrefois ont travaillé dans nos plaines, dans nos entreprises et dans nos bois agricoles, et maintenant de les réparer suivant ce que l'on peut faire, suivant nos moyens, et ce que le compas veut bien nous accorder, un peu comme crédit en plus. Voilà, donc il y a quelques bons ouvriers qui ont travaillé là-dessus, dont Laurent Touche, et quelques amis fidèles, dont un qui n'est plus là aujourd'hui, qui est décédé l'année dernière, notre regretté Daniel. Et Laurent est là, il est à la retraite, donc il a un peu plus de temps, mais il vient toutes les semaines avec Yannick et puis Christian qui est là, et puis Eric qui lui remplace notre ami Laurent maintenant. Voilà. Mais il faudrait beaucoup de plus, si je puis dire, de bénévoles. Et encore de département, c'est pour ça que je viens un peu plus voir, mais je voudrais dire haut. Il faudrait qu'il y ait deux ou trois employés à temps plein pour rénover tout ce vieux matériel qui se trouve dans des remises là-bas à la Loupe. Et puis de l'autre côté de Chartres, là-bas, à la Saucelle.
Donc il y a beaucoup de matériel en dormance et moi j'aurais voulu des hangars beaucoup plus grands avec davantage de personnel pour rénover, entretenir et toujours conserver ce beau matériel d'autrefois. Ben, le département c'est timide, timide là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire. C'est pas toujours plaisir, mais tant pis, je le dis quand même. Allez, merci. Parce qu'on a un président sans filtre à l'association des amis. Mais bon, là il était bien. Là. Je veux dire, vous n'êtes pas consensuel quand même. Non, mais je dis ce qui doit être dit. Formuler une demande. Voilà. Alors, puisque tu as parlé de Laurent Touche, quand même un peu. Parce que lui, c'est un peu le relais entre les amis et mon prof. Alors, Laurent, je vais le présenter parce qu'il est plutôt discret. Donc, Laurent, il a fait sa retraite quand ? Donc c'est le truc qui est bien ou pas, c'est que tu prends ta retraite, mais finalement tu es quand même revenu par l'association des amis. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Je veux faire mon petit bilan là aussi. Il y a eu un certain directeur, une fois ils l'ont viré par la porte, il est rentré par la fenêtre. Donc j'ai fait que j'ai jamais fait ça aussi. Non, je plaisante. Oui, je ne pouvais pas laisser tout lâcher comme ça. Surtout que on était en cours, qu'on venait de commencer, on a commencé en 2019 avec Daniel. Et c'est là aussi, moi aujourd'hui, je voudrais bien rendre un hommage à Daniel aussi. Parce que Daniel, il a quand même été bénévole dès qu'il a pris sa retraite au début des années 2000. Il était bénévole avec nous plus de 15 ans. Donc, et avec moi particulièrement. Donc on s'est toujours très bien entretenu et Daniel a fait arriver Yannick avec nous aussi. Donc on se côtoyait d'ailleurs la semaine à l'atelier quand on faisait des tracteurs ou d'autres machines, hein, parce qu'on faisait des tracteurs non plus. Et on se côtoyait aussi régulièrement sur les manifestations le week-end, où on était assez complices là-dessus. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est important. Et comment je vais dire le deuxième point, c'est que je ne pouvais pas abandonner. On avait commencé à travailler, à restaurer ce tracteur-là, et je ne pouvais pas laisser Yannick tout seul, qui en plus n'avait pas beaucoup participé au démontage. Et ce tracteur, en plus, il y a un autre point d'honneur pour moi, c'est que tout à l'heure, Jean-Pierre, dans les présentations, il a parlé de tous les patients qu'on a fait avant. Et ce tracteur-là, il arrive au compas grâce à mon ami Jean Léo, quand on a fait passer au Renault en 2015. J'avais à l'époque en charge les plateaux tracteurs. Avec mes connaissances, on va dire un petit peu nationales, voire plus, je faisais venir des tracteurs un petit peu les belles pièces, tout au moins un peu partout de la France. Ce tracteur, évidemment, Jean Léo, on se connaissait, il était mon président au niveau du club quelques années, on faisait partie du même club. Et je voulais absolument que ce gazo soit là, même s'il n'était pas fonctionnel, je voulais absolument. D'ailleurs, on avait fait un camion complet ce jour-là chez Jean, et il a des chasseurs du Poitou, hein, au Futuroscope. On a ramené le gazo, le 3040 avec le diesel piquant et le petit AFV. Donc on a fait un camion et Jean m'a dit, écoute Laurent, c'est avec plaisir que je t'amène ces tracteurs-là, mais tu me ramèneras que les deux autres. Le 301H, vous le gardez, Jean Fido, mon compas. Voilà. Il nous l'avait un petit peu proposé quelques années avant, on n'avait pas vraiment donné suite, ça n'avait pas abouti. Et là, il a dit, moi, je ne pourrais pas dire, je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas ce que ça va devenir. Il sera bien mieux dans vos murs aussi, vos compas. Et donc, Jean nous en avait fait. Donc, suite à cet événement, il m'a dit, vous verrez, évidemment, nous, on l'avait juste restauré un petit peu comme ça. À vous de le refaire. Et c'était une de nos vocations de vouloir le reprendre assez rapidement. Voilà. Donc, je vous prends une demande de couvert par le parce que là, Laurent, il nous a un peu dévoilé un des thèmes forts du week-end, et moi, là, du coup, j'ai plus que 12 minutes pour présenter tous les autres. Donc, ça va faire se serrer quand même. Donc, et on va en reparler, parce que forcément, ce tracteur, ça serait une très belle pièce que vous pourrez découvrir qui est en cours de restauration. Alors, moi, je voulais vous dire que je vais vous parler d'une association de jeunes ingénieurs, et je les ai repérés, ils sont là. C'est l'association RACE de l'école d'ingénieurs Estacar. Et ils vont nous dire ce qu'ils font ici. Bonjour à tous, donc on est ici pour représenter notre école d'Estacar.
avec notre association Race Laval. Donc Race, c'est l'acronyme de restauration d'automobiles de collection à l'Estacar. Donc le but, c'est de restaurer de nombreux véhicules. On a pu restaurer par le passé une 2 chevaux. Actuellement, on a aussi 3000 Volkswagen pour les services. Et actuellement, on est venu avec notre projet phare qui s'appelle Series. Donc c'est une MGB Roadster de 1977 qui a pris la ligne de départ en Franche-Comté le 29 mars pour sa première participation au rallye historique. Donc le but de cette voiture, c'est vraiment d'être transformée de A à Z pour avoir les homologations FIA pour pouvoir courir par la suite en VHG. Vous pouvez retrouver... Vous pouvez retrouver notre stand à droite devant le musée avec notre voiture et toute notre équipe au complet. Merci pour cette présentation. Donc, on pourra essayer cette voiture. Bah, vous avez 24 heures pour la remettre en route. Comme sur vous, si on peut faire les essais ce soir, ça sera pas mal. Alors, je vous présente également un autre animateur de ce week-end. C'est le musée atelier des pionniers avec une animation VO. Alors, je ne sais pas où ils sont, par contre, je ne sais pas repérer. Voilà. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici? Donc aujourd'hui, on vous a amené un cyclecar, un cycloto 1919 qu'on a restauré il y a 5 ans. Donc on a restauré et dérestauré. C'est pour ça qu'il a cette allure comme sortie de branche. C'est un peu la même chose. Le musée des pionniers, on l'a créé il y a 10 ans et on présente principalement des holos qu'on restaure, qui sont sous-traités par d'autres musées. Et aujourd'hui, on a un petit bout pour les plus jeunes qui s'amusaient à découvrir le vélo à l'ancienne. Voilà. Alors, vous êtes basé où? On est à Galar. Donc, vous êtes des locaux? À la gare. À côté de la gare, Galar. Alors, on va être obligé de faire un peu court, mais il y a quand même un homme là ici que je voulais vous présenter parce que lui, il a suivi quelque chose de très intéressant et ça concerne, je vais nous dire ça, le mécano, c'est vous? Non, c'est pas vous. C'est qui le mécano? Ah, bah voilà, mais ça, c'est vrai. Vous avez combien de pièces? Et en tout. Et là, vous en exposez? Ah oui, une dizaine ici, d'accord. Donc, ici, 10 pièces en mécano qui sont exposées dans le musée. Voilà. Je voulais vous parler également du stand de l'association du champ de bois, hein, monsieur Lonquin qui est là. Donc, ça, c'est un autre musée, on va dire, musée du Charolais, c'est ça? Mais parle-nous un petit peu du film, mais rapidement, hein, le musée et l'association. Ce tracteur, vous êtes allé le racheter en Angleterre, on l'a vu ici d'ailleurs en 2019, la passion vapeur, vous l'aviez exposé ici. Hein. Et là, vous êtes venu avec plusieurs matériels très intéressants, notamment un tracteur société française, le Graal des sociétés françaises, le fameux HO, le mythique Agiro. Pardon, donc, on est dans les puristes. Mais enfin bon, n'importe, c'est quand même le tracteur rare. Vous avez également Molly. Portuti Moline, ça fait 2 Portuti Moline parce qu'il y en a un également dans le musée, donc 2 pièces rares rassemblées au même endroit, c'est assez rare. Et puis on peut dire également que là chez vous êtes à côté de Bourbon-Lancy. Bourbon-Lancy, il y a une usine qui fabrique des moteurs hein, pour le groupe Fiat, pour ne pas le citer. Et puis dans votre musée, pour ceux qui sont un petit peu accro de la télé, sur la chaîne RMC Découverte,
l'émission Vintage Mécanique, la restauration d'un tracteur dans le cadre de ce programme, ça se passe chez eux, à Neuville-Grandchamp. J'ai 4. 4 tracteurs restaurés, 4 saisons de restauration de tracteurs dans votre usine. Voilà, c'est ça. Merci Pierre, on aura l'occasion de te rencontrer tout au long du week-end. Il doit me rester 3 minutes pour vous dire que je tiens à m'excuser par avance envers tous ceux que je n'ai pas présentés, mais il va y avoir une session de rattrapage puisque Yannick, ici présent, quelque part pas très loin, va. Non, c'est Yannick qui fait le tour du musée, c'est ça ? Eric et Yannick vont vous faire une première visite d'usée, guidée du musée, pardon. Et donc ça va vous permettre de voir un petit peu tout ce qui se passe ici, à la fois ce qui concerne la culture et l'agriculture. Voilà, alors bonne visite. Oui, merci. Alors, précision, parce que j'ai un compteur, il y aura également un défilé à 11h15 à l'issue de la visite. Voilà, là je crois que je vous ai tout dit, Dylan. Tu viens là ? Ok, dans les temps ? Dans les temps. Bon, parfait, allez. On prend un café, on y va. Pierre. Salut Romain. Comment vas-tu ? Mais je vais bien, surtout qu'aujourd'hui au compas pour tourner moteur, c'est la première fois qu'on y revient depuis 5 ans. Ah oui. Tu étais venu en 2019 à Passion Vapeur. Oui. Donc dernier événement en date de cette série d'événements qui avait démarré avec Passion Semeca en 2007. Qui s'était là pour le coup, c'était les 50 ans du Somme 40, tracteur emblématique, et puis en 2009, on avait fait Passion Pharma, un événement dédié à ce tracteur avec la participation de Casi H. Première fois où on avait la participation d'un constructeur en France pour un événement passionnel. On avait les établissements Duré avec nous. Précédemment, on a vu les établissements Lecoq pour Someca. 2011, on fait Passion Lens, donc toujours avec le compas, les amis du compas, avec le club Lens Bulldog de France, qui organise ici cette année-là son assemblée générale annuelle. Et cet événement tombait le jour du Salon européen de la miniature agricole à Chartres Expo. C'était la première fois et ça nous permettait de mixer les populations, à la fois les gens qui collectionnent la miniature et le tracteur de collection à l'échelle 1. 2013, on revient ici avec Passion Ford, événement donc dédié au tracteur Ford avec la participation des établissements Lecoq à nouveau. 2015, on fait Passion Renault. Alors là, on le fait avec Classe, l'établissement de Pucet, Classe au niveau national, sans savoir que Classe viendrait s'installer finalement un peu plus tard à Imray, là pour son siège. De la division commerciale.
Et puis 2017, c'est un événement un petit peu plus généraliste, si on peut dire. C'est le thème du plan Marshall. On fait quelque chose autour du plan Marshall, ce fameux plan Marshall qui a permis de lancer la motorisation de l'agriculture en France après la Seconde Guerre mondiale. Et 2019, c'est Passion Vapeur. Donc là, on s'est vu Passion Vapeur. Mais là, c'est un événement un peu plus morose, puisqu'on savait déjà depuis un an que des annonces avaient été faites comme quoi le compas pourrait fermer. Et du coup, peu de communication, voire pas de communication du tout, une chaleur infernale, peu de monde, alors que là, on avait misé plutôt sur un événement grand public, parce que la vapeur, c'est à la fois les machines agricoles, mais c'est également les trains et tout un tas d'autres choses. Et comme on est ici dans la rotonde d'une ancienne gare de maintenance de locomotives à vapeur, on avait vraiment pensé mixer tous ces événements, toutes ces passions, toutes ces populations, et ça s'était pas fait. Donc on s'était un peu quitté sur une note amère. Et puis est arrivé le Covid, fermeture du compas, qui n'a pas rouvert en même temps que les autres lieux publics. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Enfin, le compas finalement a réouvert. Depuis 2022, plus de 30 000 visiteurs l'année dernière, malgré le fait qu'il n'y a pas encore de faire attention dans ces machines comme le 15 là, parce qu'on a vite fait d'actionner une manette. Oui, donc ce parking là qui n'a toujours pas rouvert, puisque c'est toujours la gare routière provisoire ici, et donc on attend avec impatience que le parking puisse ouvrir, parce qu'un musée sans parking quelque part, c'est handicapant, c'est le cas de le dire. Voilà pour ce qui en est de cette petite rétrospective des événements extérieurs au compas. Ça démarre pas comme une voiture Renault moderne, je ne vous parle même pas de mobilité. Donc il faut un petit peu de méthode. Et là, on est en train de mettre un petit peu de carburant dans les bougies. Voilà. Un petit peu de carburant, là, c'est la bougie. On va détricher un peu. Quoi, c'est une astuce en fait. Une astuce de métal. Voilà. Bon, alors. Nous voilà. Face au destin de ce tracteur qui avait quand même posé quelques difficultés hier. Il avait pris l'humidité durant la nuit. Il n'y avait plus hier matin et c'était pas ça. Mais on va voir le verdict du jour. À l'époque, le tracteur était entièrement carrossé quand même. Hein. Il était quand même très moderne, c'est Renault. Et le radiateur, il était à l'arrière du moteur, si vous remarquez bien. Il n'était pas à l'avant comme on le voit traditionnellement sur tous les tracteurs et les voitures. Il se positionnait à l'arrière.
Thank you.